Salut à tous, c'est Polygaming, et donc plus particulièrement Anonymat. Donc je vais vous présenter la snapshot, la dernière, 12W42B avant la 1.4, donc on va faire ça vite fait. Attendez, coupe. Donc juste un peu de bruit, donc voilà. Alors attendez, je vous préviens, Minecraft ne sera pas fluide sur ce coup, parce que ça fait un moment que je viens d'uploader l'autre. Donc voilà, donc, dans les nouveautés, on pourra voir, apparemment il y a eu donc un bug réglé, pardon, je crois avec le sable, j'ai pas très bien compris. Apparemment il rendrait mieux, à mon avis, s'il avait été bugué ça. Ensuite, donc une modification sur le Jupiter, donc qui a été changée pour pouvoir l'utiliser dans deux sens différents. Donc là, j'ai construit j'avais construit quelque chose. Ah non, je sais pourquoi. J'avais construit une espèce de pulseur. Attendez, j'ai fait une bêtise. Et vous pouvez régler ce cran un peu comme vous voulez. Attendez que je retrouve comment j'ai fait tout à l'heure. Ah, attends. Oui, ça doit être ça, un truc comme ça, mais. Voilà, comme ça, je sais pas pourquoi ça a changé. Et donc vous pouvez créer des pulseurs déjà qui ne grillent plus. Je sais plus pourquoi, hein, parce qu'avant ils grillaient. Et donc vous pouvez mettre. Après ce que vous voulez, hein, on sort plus. C'est n'importe quoi. Tac, voilà. Les lumières, vous pouvez faire un truc disco. Ensuite, l'ancien craft de du comment ça s'appelle attendez que je le retrouve de l'enclume était donc l'ancien craft de la snapshot d'avant était celui-ci, donc c'était enfin là c'est normal que ça apparaisse pas vu qu'on est dans la 42, donc c'était ça, donc c'était un peu cher quand même, hein, c'est équivalent à quoi, 6 x 9, 54 avec 1, ça faisait quand même 55 de fer à avoir pour une seule enclume. Donc ils ont réduit le truc à ça, donc ça nous donne plus que 27, 28, 29, enfin une trentaine de fer pour faire une enclume. Et il y avait quelques bugs sur l'enclume qui ont été réglés dans le fusionnage des armes. Maintenant, une arme qui était renommée apparaîtra en italique, je sais pas si on peut le montrer. Donc aussi, je sais pas si vous voyez, mais il y en a trois parce que donc enclume légèrement endommagée et très endommagée. Donc voilà, ça peut changer. Alors peut-être quelques coupures à cause du son parce que voilà. Donc je vais l'appeler. Donc alors apparemment, donc on est obligé de renommer une épée pour l'avoir à moins de la fusionner, donc ça coûte 7, ouais, de la pyro puissance. Ou alors non, alors attends, tac, voilà, c'est l'épée de Polygaming. Alors attendez, je vais juste faire un truc, c'est qu'en faisant F3H, enlever, si j'ai réussi, voilà, les trucs qui gênent, enfin la durabilité des trucs. Donc voilà, ça apparaît en italique, hein, vous voyez bien la différence. Donc là, juste un nom plus prestigieux, j'ai envie de dire. Donc voilà, je crois que c'était à peu près tout. Les bugs avec les nouveaux, donc les chauves-souris machin, ont été réglés. Ils n'activent plus toutes les plaques de pression, les fils, tout ça. Donc voilà. Tiens, t'as été tué avec l'épée de pyro de Polygaming. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que je vais faire une petite coupure et vous aurez accès à
Donc la pré-release 1.4 carrément. Bon, à tout de suite. Voilà, donc je suis de retour et vous pouvez voir marqué en bas Minecraft 1.4 carrément. Hein. Donc quelques trucs modifiables donc, pour cacher l'adresse. Par exemple, quand vous faites des vidéos, vous n'avez pas envie de montrer l'adresse d'IP. Donc ben, vous pouvez faire modifier, cacher oui ou non. Voilà, vous voyez, mais on s'en fiche. C'est un truc à préparer avant la vidéo. Donc ensuite, les options du joueur, on avait tout vu hein, l'autre fois, me semble-t-il. Ils ont un peu réactualisé les langues, ça aussi, tac. Voilà, je crois qu'on a tout vu. Hein. Juste revenir sur la Snapchat. Et se laisser. Donc en gros, pour faire un résumé global de nouveaux mobs, des nouveaux sons, plein de nouveaux sons, moins de bugs de lumière, on commence à voir des nouveautés un peu dans la redstone qui seront plus accentuées dans la 1.5. Et voilà, hein. Sinon pour parler de la chaîne, donc vous avez vu peut-être qu'il y a plein de vidéos de Dark Moon qui sont sorties, enfin de Polygaming Dark Moon, donc les vidéos de Skyrim Dawnguard, vous pouvez aller les voir. Perso, moi je suis, on va dire, d'autres séries, vu que enfin, la série qui est sur la chaîne. Donc voilà, j'ai rien à dire d'autre, donc on va se laisser sur. Je peux faire un petit suicide là. Non. Non. Bon, pas alors sur un génocide de vache. Bon. À plus.